Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mystère avec ce soir des histoires toujours aussi incroyables, toujours aussi spectaculaires, mais toujours aussi véridiques. Et des histoires qui ce soir encore vont nous faire pénétrer d'autres univers. Ce soir, l'histoire de Delizia Ciroli, une petite Sicilienne condamnée par la médecine et qui est aujourd'hui la 65e miraculée de Lourdes. Il y a 10 ans, Anne-Marie Lyonnais perdait sa fille unique, Isabelle. Désespoir, révolte, et puis un soir, un message. Isabelle commence un dialogue avec sa mère au-delà de la mort. Quelle est cette énergie mystérieuse que les orientaux appellent le ki? Une énergie que nous possédons tous, mais que très peu maîtrisent. Une énergie qui peut tuer, mais aussi guérir. L'île de Pâques, perdue en plein Pacifique, reste un des endroits les plus fascinants de la planète. Et de nombreux scientifiques se sont penchés sur le mystère de ces colosses de pierre. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, en 1986, les murs d'une maison se mettent à saigner. Les analyses prouvent que c'est du sang humain. Lucie et Jean-Marc vont vivre dans l'épouvante. Voilà donc le programme de Mystère ce soir. Commençons tout de suite avec l'histoire de Delizia Ciroli. C'est ici, à Paterne, une petite ville de Sicile, qu'est née il y a 28 ans au sein d'une modeste famille italienne, Delizia Ciroli. Une enfant qui allait vivre une expérience extraordinaire. Delizia est aujourd'hui une femme. Elle reste marquée à jamais par le drame qu'elle a vécu dans son enfance. Souvent, elle se souvient. Nous sommes en mars 1976. Delizia est alors âgée de 11 ans. Comme tous les matins, elle se lève tôt pour aller à l'école. Mais ce matin-là, la petite Delizia ne se sent pas bien. Delizia, va bene? L'institutrice comprend que quelque chose ne va pas. La fillette a très mal au genou. Elle décide de la ramener chez elle et incite sa mère à la faire examiner par un médecin. Lorsque j'ai commencé à ressentir une douleur à la jambe, je l'ai dit à ma mère, mais elle a pensé que c'était une excuse pour ne pas aller à l'école. Delizia a regagné la chambre du petit appartement familial. Son père a été prévenu. Il est rentré tout de suite. De quoi souffre-t-elle ? La petite a vraiment trop mal. Il faut appeler un médecin. Le docteur Falica ne peut pas se prononcer. Il faut faire des analyses et des radiographies.
Dès le lendemain, sa maman l'emmène à l'hôpital de Paterne. Bonjour, mon fils. Comment ça va? Entrez, je vous prie. Délitien va subir toute une série d'examens. Ma mère m'a fait faire des radios. On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors elle m'a emmené à Catane. On a montré les radios au professeur Mollica. Il a dit qu'il y avait un problème et que je devais être hospitalisée pour y subir une biopsie, pour savoir plus exactement ce que j'avais. La mère de Delizia se rend compte que les premiers résultats sont très inquiétants. Pour ne pas l'effrayer, j'ai menti. J'ai seulement parlé de simples analyses. Je n'avais même rien dit à mon mari. J'ai gardé le secret. Pour la suite des examens, la petite Delizia est hospitalisée à Catane. La petite était particulièrement maigre. Son état général était inquiétant. Les premiers examens radiographiques et les analyses étaient claires. Il s'agissait d'une tumeur maligne du squelette. Trattarsi di un tumore maligno primitivo dello scheletro. Les résultats des examens sont implacables. Delizia a un cancer. Elle est condamnée. Les médecins proposent l'amputation sans pour autant garantir la guérison. Ils annoncent à ses parents qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Les médecins conseillaient l'amputation de la jambe. Mes parents ont refusé parce que cette amputation n'allait pas me guérir. Elle m'aurait permis de vivre quelques mois de plus et rien d'autre. Le père de Delizia n'arrive pas à se résigner. Mon père disait, si ma fille doit mourir, je préfère qu'elle meure comme ça. Il ne voulait pas augmenter ma souffrance inutilement.